Salut les bros et bienvenue dans la compagnie des bros. Je suis Dodoman et on se retrouve, et bah comme vous pouvez l'entendre dans votre casque, moi je l'entends dans le mien du coup, mais vous l'entendez dans le vôtre. On se retrouve du coup pour une partie de Sims 4. Ça faisait longtemps qu'il n'y en avait pas eu dans la chaîne, hein. J'ai eu très peu de temps pour tourner. J'en suis extrêmement désolé. Je vois un toit sur mon truc, je n'apprécie pas ce qui a été fait, mais bon. Excusez-moi. Je vous le montrerai, hein, bien sûr. Mais, en tout cas, je suis très content de revenir sur du Sims. Moi, c'est vraiment un jeu qui me plaît de ouf. Je sais, c'est pas très... Mais c'est juste, tranquillou, quoi. Et on est retourné dans notre vie de Sims normale. Alors, juste avant ça, je vais quand même regarder ce qui se passe, là, avec... Ouais, je vois ça. Ouais, ok. Le prélu. Ok, non, bon, bah, il y a un truc là. Je vais peut-être pouvoir mettre un toit. Est-ce que je peux le tourner? Non, je peux pas le tourner, ça. Ah, mais attends, si je le mets comme ça. Je le tourne. Non, ça ne tourne pas. Ok. Non. Ça. Ok. Non. Bon, bah non. Ok. Je suis un peu rouillé. Hein. On va dire que je suis un peu rouillé. Bon, tant pis. Je mettrai plus tard un... Je mettrai plus tard. Alors, notre petit Sims. Oui, bah écoute, moi je vis, je travaille la nuit, donc je dors le matin, jusqu'à 10h. Ah bah, c'est à peu près l'heure où je me réveille en ce moment, hein. Faut le savoir. 11h en général, c'est à peu près l'heure. Ouais. Tac, ensuite aller prendre ma douche. Prendre une douche. Ah, mais non, mais je veux d'abord que tu manges, en fait. Plus de choix, ouvrir. Est-ce qu'il me reste encore quelque chose là-dedans? Normal. Brochette de viande. Là, parfait. Prends une portion. Hop. Alors. Aujourd'hui, on travaille. Donc, ce soir à 19h. Il faut que j'ai fait des cocktails. Donc, on va faire ça. Prendre une petite douche. Préparer une boisson. Préparer sa boisson préférée. Donc, préparer une boisson. Préparer 4 fois de l'eau. Tac. Bon, en tout cas, j'espère que ça va, les amis, hein, bien sûr. Cette période un peu troubleuse, dites-moi ce que vous faites, vous. Bah, moi, en tout cas, je me concentre aussi sur pas mal sur Dodoman en ce moment. Ce qui m'empêche aussi de tourner un peu là. Parce que les peu de temps où je peux tourner, j'ai vraiment genre une heure à peu près par semaine, hein, pour tourner. Parce que vu que je vis avec ma copine, j'ai pas trop envie de la déranger. Je vais voir si je peux pas essayer de modifier un peu ça, mais normalement je devrais. On va voir. Et donc voilà, je tourne ça, je prépare mes épisodes, etc. Là, le prochain épisode sur Dodoman TV. D'ailleurs, si vous avez pas la chaîne, vous pouvez y aller juste là. Je la mettrai au-dessus là de l'écran. Et ben, je vous le conseille en tout cas. Alors le dernier, je vous le conseille aussi. Et le prochain, je vous le conseille aussi vivement, parce que ça va être franchement sympa. Qu'est-ce que... Mauvaise pomme. Il faut vraiment que je change ça. Au moins ça, là. Il faut que je la fasse dégager, celle-ci. Tac, tac, tac. Après, on va lui faire divertissement. On va peut-être jouer un peu. Hop. Tac, 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 tac. Tac, voilà. Et du coup, là, le prochain épisode que je vais vous mettre, eh ben, franchement, il change de ce que je fais d'habitude, déjà. Donc déjà, dites-moi ce que vous en penserez. Et en plus, voilà. Ça pourrait être franchement sympa. Allez, fini. Voilà. Non, mais on ne demande pas de boire, on ne demande pas de boire. Ne le bois pas. Oui, bah c'est de l'eau, quoi.
Oh mon dieu. C'est de l'eau parfaite. Ça a été parfaitement versé, quoi. Excellente. Qualité excellente. Comment tu peux avoir de la juste en ayant monté ta compétence de barman, quoi. Hop. Un peu de dévertissement. Avec le petit poisson, juste à côté. Alors, moi, c'est à peu près pareil, j'ai pas un poisson, mais j'ai un chat qui dort juste à côté. Vous l'avez vu sûrement dans les autres vidéos de Dodoman, justement. Il apparaît. Acteur principal, même, d'ailleurs, pour tout vous dire. C'est très drôle. Enfin, en tout cas, moi, je me suis beaucoup amusé à le tourner. C'était complètement débile, mais moi, ça m'a bien fait marrer. Tac, 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 hop. On va encore remonter sa compétence de Kairis, parce que je crois que c'est Kairis, c'est vraiment ce qui pêche. Où est-ce que je vois ça? Jeu vidéo, oh putain, bientôt jeu vidéo 4, Mixologue 7, donc pas mal, et Charisme 4. Ouais, donc c'est un peu ce qui pêche pour monter. Donc, on va lui monter sa compétence de Charisme, après. Tac, donc on se fait un peu de tourne. Lire. Caresse volume 2. Hop. Ah, mais j'ai un pommier ici aussi. Tac, tac, tac. Ah, ça, il faut que je le vende. Je vais prendre une vraie douche. Comme je disais dans l'épisode d'avant. D'ailleurs, ça, je m'en rappelle que je l'avais dit. Que je devais prendre une vraie douche et que j'hésitais sur quelle douche à prendre. Je sais pas encore quoi mettre en fait quel style de parce qu'une baignoire forcément une baignoire dans cette maison il y en aura pas, c'est trop grand, beaucoup trop grand, parce que oui je vais en faire plusieurs, donc forcément une douche. Ouais, simple. Ah mais celle-ci j'ai mis bien. Ouais, celle-ci elle est bien. Celle-ci elle est bien, fait voir les couleurs qu'il y a en noir et rouge, c'est pas mal. Parce que de toute façon, ça sera changé. Hop. Vente. Tac. Moi j'aurais pu le garder pour la prochaine maison à la limite. En fait, j'aimerais la mettre comme ça, mais du coup, je vais la mettre à la place des toilettes. Que je peux mettre ça en attendant. Tac. Que je vais peut-être changer d'ailleurs les toilettes en attendant. On va refaire la salle de bain en avance. Vu que j'ai pas mal d'argent. Qu'est-ce qui irait bien? On voit vraiment rien. Ça devait être rouge, non? C'est pas rouge. Ouais, celle-ci, elle me dit. Mais attendez, il n'y a pas une. Ah ouais, mais c'est ça qui va avec. Hein. Et ça, c'est pas ouf, ça. Ouais, parce que ça risque de mettre de l'eau partout, quoi. Ou alors ça. Ouais, mais de toute façon, c'est sur lequel que j'ai flashé, hein. Celle que j'ai flashée. Ça avec le robot, c'est juste. Ce qui est en bouche que j'ai pris. Elle appartient à rien, hein, c'est ça. Ça nous. Ce sera dans les cabinets d'un manoir. Bah écoutez, hein, bah, je vais prendre celui-ci, mes versions comme ça du coup. Alors, il faut déjà que je la mette quelque part en attendant. Hop, parce que j'ai oublié de gérer ça. Et ça, je vais le mettre dans mon inventaire. Hop. Hop les. Alors, par contre, est-ce que j'aurais pas un autre endroit? Ce serait mieux. Parce que là. Putain, d'ailleurs, cette porte, il faut vraiment que je la change. Bon, voilà!
On a modifié un peu, on a encore un peu d'argent, peut-être pour modifier ça. On regardera plus tard, je pense. Ouais, bah ça va plutôt bien avec. Hein. Tac. Et voilà! On a une petite salle de bain bien refaite. Avec des nouveaux meubles. Je pense que je vais remodifier un peu les portes-toissons. Ce qui est bien dans les Sims, c'est quand même que tu peux faire ça. Parce que dans la vraie vie, hein, tu peux vraiment pas faire. Hein. Oh, il va profiter du dehors. Attendez, mon homme, il est tombé. Oula, attendez. Non, tu veux pas la rosée? Et ça, il faut pulvériser les insectes. Ces plantes, j'y arriverai jamais. Non, je ne peux pas... Ah, voilà. Désherber, hop. Le festival de l'amour. Bon, après, il me reste 2 heures. Il me reste 2 heures. Putain, pareil, le... ces meubles-là, ils sont tellement dégueulasses. C'est ouf, quoi. Qui tu veux, toi? T'es qui? Comment ça, ma fenêtre? Espionne? Une fenêtre par là? Bah non, y a pas de fenêtre. Ah, j'allais dire, ce mur est même pas recouvert, mais si, en fait. Hop. Salut, bonhomme! Non, tu ne peux pas rentrer. Le mec rentre juste devant lui, quoi. J'avoue que ça, c'est pas forcément ouf, quoi. Putain, j'aurais rien le temps de faire ce matin. Enfin, aujourd'hui, quoi. C'est des plantes, quoi, du coup. Du festival sont géniaux. On va en acheter. Oui, non. Oui, mais non. On peut pas en acheter. Tu l'as mis où, le livre? En attendant, du coup, tu vas... lire ça. Une demi-heure. Vas-y, on s'en fout de se laver les mains. Enfin, Sims, tu risques pas de choper de trucs. Non, en vrai, lavez-vous les mains, hein, c'est... Enfin, surtout après, aux toilettes, c'est un peu dégueulasse. Mais bon, là, c'est un Sims, voilà. En vrai, ça a presque rien enlevé. Hop. Tac. Est-ce que là, on peut avoir... Ah bah oui, là, on va pouvoir normalement avoir... une petite augmentation, on va dire. On est quel... Oh, 7. Bon, on va pouvoir level 8, normalement. Donc, il restera 2 levels après. Et on sera level max, on pourra changer de carrière, du coup. Attendez. Travailler dur. C'est quand même... C'est pas gagné, hein, pour le moment. Ajouter du jus de fruits. Moi, j'ajoute du jus de fruits à mon client. Qu'est-ce que ça dit? Après avoir donné un rame. Mais tout le monde m'adore. Bah oui, tout le monde m'adore. Je suis qui cet arbre, mine de rien? Je sais qu'au départ, je l'ai planté pour... enfin, voilà. Oh, des... Attendez. Pourquoi qu'il revienne trop tendu? On travaille normalement. Et voilà la bonne augmentation, les amis. Ça fait plaisir. A été promu gestionnaire principal des boissons. Pou, quoi d'autre. Il gagnera $52 de plus. Putain, l'augmentation d'un coup, quoi. Et également reçu, un bonus de 2559, un porte-bouteille vin Otaka, écrire un guide pour les mixologies ordinaires, et, ok, bah, et écoutez, bah, c'est plutôt bien, voyons ce que, préparer la boisson, donc ça c'est toujours bon. Atteindre le niveau 6, ok.
Et atteindre le niveau 6 en... Putain, ça par contre, ça va être compliqué. Bon, après, sachant que là, j'aurai 3 jours après pour pouvoir monter ça. Bah écoutez, il est fatigué, on va aller se pioter. Stressé. Ah, stance à cause du travail. Je pense que ça, je vais le remettre en rouge un peu. Ou en tout cas mettre une partie en rouge. Ça c'est sûr, parce que pour rappeler un peu le rouge et le noir. Je suis quand même triste que je ne vais pas avoir trouvé de toilette qui allait avec ça. Et c'est sur ce que je vais vous dire au revoir et clôturer cet épisode, les amis. Merci de m'avoir regardé. J'espère que ça vous aura plu, que l'ambiance que j'essaye d'emmener dans ces épisodes vous plaît. Voilà, moi en tout cas, je surkiffe tourner ces vidéos. Et puis, bah, à la prochaine pour de prochaines aventures. C'était Dodoman.